Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va? D'accord. Ah, ici, on nous parle d'une personne qui. Ah ben, c'est une personne qui vous aime. On a ici une situation, vous voyez, pour certains où. Bon, on a quelqu'un qui n'est pas dans le forcing. Une personne qui veut tout simplement laisser les choses se faire, se mettre en place entre vous, mais on sent ici que vous êtes très complice. On a une personne en réalité, vous voyez, qui aime cette complicité que vous avez. J'aime, hein? Ta manière de fonctionner, j'aime, hein? Comment on est, comment on fonctionne tous les deux. Ici, on a une personne qui. Ah non, moi je me sens bien. Je ne sais pas comment toi tu te sens dans la situation, mais je me sens bien. On a une personne qui se sent extrêmement bien à tes côtés, hein? Attends, on va regarder ça. On a le mal-être, on a la surprise, on a la chance et on a le choix. Et on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où c'est quelqu'un pour certains que vous avez rencontré, hein, alors que peut-être le moral n'était pas forcément au beau fixe. C'est une personne, vous voyez, qui. Non, moi j'étais restée sur l'amour, ça apporte des blessures. L'amour, ça fait mal à la tête. L'amour, ça apporte des problèmes. L'amour, en réalité, je ne pense pas que ça va arriver sur mon chemin. Je ne m'attends pas de toutes les façons à ce qu'on m'aime. On a réellement une situation, vous voyez, pour certains, vous avez aidé. Cette personne, vous voyez, comme à mettre fin à un certain mal-être. Vous l'avez aidée en réalité, vous voyez, comme à réaliser que, ben, tu vois, la vie, elle te réserve encore de belles surprises. On a l'impression ici que c'est une personne qui. Non. Qui n'a jamais rien fait en réalité, vous voyez, pour se construire vraiment, vous voyez, au niveau sentimental. On nous montre ici que c'est une personne qui, je me suis tout simplement, j'ai envie de dire, comme rétamée dans une situation, je me suis dit une fois, ça suffit. Pourquoi tu veux que je recommence une deuxième fois? Pourquoi tu veux que je recommence, tu vois, comme à me faire du mal? Ici, on a une personne qui se revoit, vous voyez, comme elle était avant, vous voyez, comme de vous rencontrer, avant de rentrer en contact avec vous, avant d'apprendre à vous connaître. Et c'est une personne qui réalise en réalité que. C'est pas forcément quelque chose, tu vois, que j'aurais pu entendre il y a quelque temps. On sent ici, tu vois, qu'il y a des amis, des personnes autour qui ont pu laisser entendre à cette personne. Tu verras, un jour, ça va se faire. Un jour, ça va se mettre en place. Mais c'est la personne qui ne pouvait pas y croire. Je ne peux pas y croire. Et aujourd'hui, c'est une personne, en réalité, tu vois, qui tente de cacher, hein, son trop-plein de joie. Je ne veux pas forcément, tu vois, montrer aux personnes autour de moi que je crois que je suis prête. Hein, je crois que je suis prêt, en réalité, à sauter le pas. Et je crois que c'est le moment pour moi, en réalité, comme d'officialiser une relation avec une personne. Je crois que j'ai trouvé la personne avec qui j'ai envie de passer ma vie. On a une personne qui a sorti, vous voyez, comme des choses tellement dures à propos de l'amour, tellement dures, tu vois, comme par rapport à sa propre personne. Moi, me remettre dans une relation, t'es malade. Moi, je préfère continuer sur ma route. Ça, c'est pas grave. Je vais rencontrer des personnes de temps en temps. Ça pourra me suffire. On a l'impression que c'est une personne, tu vois, qui avait un discours auparavant totalement opposé à celui que cette personne aujourd'hui, tu vois, elle te sort. La personne qui dit oui, moi, je me vois faire ça dans 3 ans, hein. Dans 2 ans, je me vois mettre ça en place. Et aujourd'hui, on sent que c'est une personne et on le voit et les personnes autour le voient. Mais c'est une personne qui, non, 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 moi, je veux pas qu'on sache ce qui se passe dans ma vie. On a une personne qui tient à ne pas ébruiter l'affaire. Je ne veux pas en réalité que les personnes hein, me mettent peut-être des bâtons dans les roues, que les personnes, j'ai envie de dire, soient dans la moquerie, que les personnes me pointent du doigt, puisque c'est vrai que je parlais pas du tout comme ça avant. Donc ici, on a une personne qui vous désire énormément. Une personne qui réalise, voyez, que vous l'avez aidé à sortir de sa zone de confort sans même le réaliser. Une personne qui est tout simplement en train de prendre conscience du fait, tu vois, qu'elle change, qu'elle est en train d'avancer, qu'elle est en train d'évoluer, mais surtout que, puisque ma tête était dure dans le passé, hein, parce qu'il y a des choses que j'ai refusé de faire, des choses et des choses que j'ai refusé de croire. Mais en réalité, quand on te regarde, quand on passe du temps avec toi, on ne peut que croire qu'on va finir par s'en sortir. On ne peut que croire en réalité que
les choses vont devenir un peu plus positives, puisque il y a comme une espèce de bonne entente entre vous. Il y a comme une complicité, il y a comme des moments que vous passez tous les deux, et ce sont des moments en réalité qui... On a l'impression que quand on est en ta présence, on oublie tout ce qu'on a en termes de soucis. On oublie tout ce qu'on a, tu vois, si j'ai mal à la tête, quand j'arrive face à toi, j'ai plus mal à la tête. Quand je suis dans le doute et dans l'hésitation, le fait tout simplement que tu sois dans les parages, ben, on a l'impression que ça soulage, puisque tu as cette capacité, tu vois, comme à faire sourire, même qu'on n'a pas envie de sourire. Hein. Tu as la capacité, en réalité, comme de nous permettre d'être bien, même quand on pense qu'on n'ira jamais vraiment mieux. Et tu vois, c'est ta personnalité qui fait que cette personne, en réalité, ben, c'est vrai qu'elle pouvait avoir énormément peur de se lancer dans quelque chose de stable, énormément peur, tu vois, comme de mettre des projets en place, mais là, c'est une personne qui est prête à sauter à pieds joints. Allez, moi, j'y vais, hein. Si tu veux, on y va. Ici, on a une personne qui, petit à petit, est en train de débloquer, tu vois. On va dire, elle débloque ses croyances, elle débloque un peu son cerveau, elle débloque un peu son cœur. Pour moi, elle t'ouvre son cœur. Mais c'est quelque chose que tu verras au fur et à mesure. On a le rapprochement, on a le bonheur, on a la dualité, on a la connaissance, on a les réflexions. On a une personne qui ne va pas passer beaucoup de temps à réfléchir, je préfère te le dire. Mais c'est aussi une personne, tu vois, qui va tenter de se maîtriser, puisque... C'est aussi une personne qui ne veut pas. J'ai pas envie de réaliser par la suite que je me suis trompée. Donc je suis obligée, tu vois, comme d'adapter, hein, tu vois, mon rythme. Parce que, imagine, je décide de me lancer. Là, j'y crois à fond. Je sais pas ce que ce sera demain, mais je sais que je vais y aller. Par contre, tu es la seule personne que je n'ai pas envie de brusquer. Tu es la seule personne à qui je n'ai pas envie de faire de mal. Moi, pour le moment, je vois pas de mur. Je vois que des possibilités. Donc... On a une personne qui ne sait pas comment t'exposer le truc. Je ne sais pas comment te dire, moi j'en ai très envie. Comment on fait pour mettre les choses en place? Moi je me vois déjà faire ci ou faire ça. Et, toi, est-ce que tu te sens prêt ou est-ce que tu te sens prête? On a juste une personne qui ne veut pas vous brusquer, puisque c'est une personne qui sait aussi. Hein. Tu ne vas pas laisser entrer quelqu'un dans ta vie comme ça, mais que tu peux aussi, tu vois, comme avoir vécu des situations compliquées. Donc... Je sais qu'on sort tous les deux d'une période compliquée. Je sais qu'on a tous les deux, tu vois, comme des histoires, des chemins de vie un peu difficiles à raconter. Hein, on va dire ça comme ça, mais je crois qu'on peut le faire, en fait. C'est ce que cette personne, elle va te dire. Je crois qu'on peut le faire quand même. Et si tu te sens, dis-moi comment on fait et on y va. Il y a une personne qui est en train de s'attacher de plus en plus à vous. Ça, c'est quelque chose que vous verrez au fur et à mesure, mais c'est aussi une personne qui peut être très gênée à l'idée de réaliser que, bon, j'ai envie d'accélérer le truc, quoi. Tu vois? C'est tout simplement ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.